Bonjour Madame Vernet, je dois vous informer qu'un repreneur s'est positionné. C'est hors de question, je ne vendrai jamais. Vous allez rebondir Madame Vernet, il y a sans doute des solutions. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme solution? Je viens pour vous nouveaux employés. C'est une erreur là. C'est moi qui vous ai contacté. Vous leur avez dit qu'on pourra pas les payer. Ils sont en insertion, beaucoup moins cher. J'espère que vous aimez les roses. Vous, vous rangez votre téléphone. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Ah, des claquettes. Ils ont une formation horticole au moins. Alors justement, on doit les former. Ici, vous avez les roses que j'ai fait naître. On se fait chier avec des rosiers là. Il y a des serres partout, on a juste à faire pousser de la beuh et c'est bon. Non, on va rester sur les roses. Qui a mis le chauffage à fond? Ce matin, il faisait un... Vous me cramez 200 rosiers d'un coup. Là, je peux vous faire une proposition de reprise vraiment intéressante. Fermez pas systématiquement la porte quand on vous tend la main. J'avais le projet d'assembler ces deux parents-là. Wishu Ryan, je l'ai, mais The Lion est dans les mains d'un connard qui garde tout pour lui. Vous voulez qu'on participe à un vol? Non, disons plutôt emprunter. Vous m'admirez parce que je vous résiste. Je ne pourrai jamais travailler avec la Marzelle. Pour lui, les roses, c'est des produits. Et... je préfère rester indépendante. Ça peut paraître futile, mais la vie sans beauté, c'est quoi ?